précédemment dans King Quest 6. Je refais des clapotis dans l'eau. Et maintenant, la suite. Tout ça, je vais peut-être l'effacer. Ouais, genre, je l'effacerai. En revanche, ce que je peux faire... Je vais l'appeler... Merde. Résultat, comme ça. Ça, ce sera ma véritable sauvegarde. Ça, si jamais je me fais rebuter comme une grosse daube... non, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai, c'est une tech. Pardon. C'est bon, ouais, c'est de là que je reviendrai. Carte magique. Je sais pas où est-ce qu'on va maintenant. Il nous a dit d'aller voir les druides, mais ils ont une île. Ouais, et c'est quoi là? Ah putain, ah j'avais pas vu. Ah marrant, tiens drôle. Rigolo. Ah. Alexander ressent une étrange attraction. Par contre, elle m'a dit qu'il pouvait m'aider ou me détruire. Ça craint. C'est fort accueillant. En même temps, c'est l'île des brumes. Il a dit un truc à propos de cri. Je pense que le chemin, c'est ça. Putain, je peux aller là. Oups. Ça a l'air sympa. Alexander s'immobilise à la vue du spectacle qu'il a devant lui. Des silhouettes drapées dans de longues robes sont réunies autour d'un feu. Une mystérieuse cérémonie se déroule, mais dans quel but, Alexander n'en sait rien. Frère, regardez! Oh oh, Alexander a été repéré. Aïe. Ce doit être l'étranger dont on nous a parlé. Excellente idée de sa part de venir au cours du festival de la pluie. Placez-le dans la cage du sacrifice. Non. Non. Attendez, je dois sauver la princesse. Un vieux dicton druidique dit « Un homme qui veut sauver les autres doit d'abord se sauver lui-même. » Ça, c'est une putain de phrase. J'aime beaucoup. Alexander est poussé dans la cage d'osier. Ah, ils vont tirer la cage et je vais me faire rôtir, en fait. Et la cage est suspendue au-dessus du feu. Well, fuck. Alexander commence à avoir un peu chaud. Ah non, tu déconnes. Putain, il est en train de rougir. Je peux rien faire. Le dessous de la cage commence à être trop chaud. Ah putain. Bronzage express. Heureusement, Alexander s'évanouit à cause de la chaleur avant que les premières flammes n'aient mis la cage. S'il vous plaît. Suivant. C'était un peu trop fort. Alexander aurait dû être mieux préparé. Perso, ils ont dit cérémonie de la pluie. Moi, je pense qu'il faut faire un truc avec le machin de la pluie. Livre d'incantation, s'il te plaît. Willier. Hop là, pardon. J'ai un bouclier, ça c'est classe. C'est pas peinture magique c'est moisi, ça. Hein.
incantation pour la pluie, quelques grains de sel eau de la mer, un flacon de sacré eau d'une chute d'eau. Le flacon d'eau sacrée... L'eau salée, je l'ai, c'est les gamins qui me l'ont donné. Pardon, faut que je me mouche. C'est les gamins qui me l'ont donné. L'eau sacrée, c'est l'oracle, et il me faut des... Il me faut quoi déjà? Une théière? Il me faut une théière. Intéressant. Attends. Elle est claire comme cristal, ça c'est chouette ça. Ornée d'une croix en argent. L'inde de bébé, menthe. La menthe, j'imagine qu'on va l'utiliser sur le génie, non? La petite dague est un cadeau de Lady Céleste. La poignée en est ornée de gemmes précieuses, très féminin. Je me marre, la mèche de cheveux, elle vient du vizir, tu sais. Ah oui, c'était la lettre. Bah perso, j'irai quand même à l'île des druides, parce qu'il y a peut-être un truc à récupérer quand même là-bas. Merde, putain, je rate tout le temps cette fenêtre. Est-ce qu'on peut aller par là? Voilà, oui, j'arrive en plein dans le village, quoi. Le son de tambour et de chants mystérieux proviennent de l'Est. Ok. Il y a une faux, je peux la récupérer. Alexander prend la faux. Les arbres géants ont été creusés pour construire des habitations. Cela a l'air confortable, mais un peu primitif pour Alexander. Mais c'est des Ewoks! Marchandise vers l'entrée, protégée par une peau toute usée, Alexander. Ok. Est-ce que je peux rentrer dedans? Non. Évidemment, elle contient du charbon. Pardon. Charbon, son froid étrange, mais Alexander sent qu'un feu est allumé à proximité. Oui, j'en viens. Putain. Je serais passé à côté, celui-là. Hein. Viennent de l'Est. Si je vais là-bas, il se passe quoi? Forêt impénétrable. Donc c'est par là qu'il faut que j'aille. Parce que l'Est, c'est là d'où je viens. Ok, en gros, ça fait ça. D'accord. Je me casse. Perso. Attends, le charbon, c'est pas un truc qu'il me faut en plus? Juste comme ça, je sais pas. Plume de cheval noir. Eau du Styx, ça implique qu'on va quand même aller chez les morts. Hein. C'est la classe. En même temps, elle a dit qu'il fallait qu'on aille dans au-delà. Okay, mer. Braise de chêne. Ah non, bah non, j'ai rien dit. Bon. Bon, ça veut dire qu'il faut quand même l'utiliser. Hein. Moi, je sais pas. On va se casser. Je sais pas où il faut aller. Bah écoutez, je vais chercher. Essayons de trouver.
et je vous retrouve dès que je trouve quelque chose. Comme ça, ça fera une vidéo un peu plus intéressante pour vous. J'ai une illumination. C'est le bruit de l'illumination, ça. On était sur l'île des merveilles et il y avait un truc à propos de les deux reines là, parlaient d'un œuf pourri et d'un morceau de charbon. Se disant que le saint morceau de charbon avait été volé. Perso, je pense qu'il faut aller lui redonner celui que j'ai trouvé. À moins que ce soit un truc du style « Non, c'est pas le bon !» J'espère pas. Tomate pourrie. Excellent, ce perso. Beaucoup. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'était pas ça avant. Je regarderai après. C'est bon, t'as fini ton jingle? Ah, ça y est, pareil. Votre Majesté ferait mieux de penser à autre chose. Le morceau de charbon sera envoyé au château de la couronne avec mon nom, un point, c'est tout. Non! Oui. Si le charbon est envoyé avec votre nom, j'émènerai un décret royal qui interdira tout ce qui est rouge sur l'île. Comme il vous plaira, mais alors j'amènerai moi-même un décret... Oh, il y a un pigeon dehors. Moi-même un décret ordonnant que le blanc soit utilisé pour nettoyer les choux. Vous n'oseriez pas. Et pourquoi pas? C'est bien à vous. Avez-vous une autre brillante idée? Ouais. J'ai un morceau de charbon. La reine rouge a déjà un morceau de charbon et ne veut pas le partager avec sa sœur. Si Alexander lui en donne un autre, elles ne cesseront jamais de se battre. Donc il faut que je le donne à elle. Oui! Je vous ai trouvé un autre morceau de charbon pour que vous cessiez de vous battre. Oh! Montrez-le-moi! Un morceau de charbon et un morceau splendide! Formidable! Nous pouvons arrêter de nous battre, ma sœur. Votre Majesté peut garder son vieux morceau de charbon et moi je vais prendre le nouveau. Très bien, cela règle le différent. Putain, t'imagines? Mais elle en a un nouveau! Je veux le nouveau! Comme gage de notre estime infinie et de la faveur royale, nous vous prions d'accepter cet incroyable œuf pourri. Wow! Génial. Merci! Montrez-moi ce morceau de charbon, votre majesté. Très beau, n'est-ce pas? Et il est plus gros que mon morceau de charbon, donne-le-moi immédiatement. Tu devras me passer sur le corps, c'est mon morceau de charbon. Il en fait beaucoup plus gros et plus beau. Regarde son brillant. J'exige que tu me le donnes immédiatement. Well. Œuf pourri. Œuf pourri, ça par contre, je m'en souviens, c'est sûr, c'est dans le livre d'incantation. Je pense qu'il faut... Le livre d'incantation, c'est une sorte de guide pour te dire quel objet il te faut. Œuf pourri. Œuf pourri. Mais vas-y! T'es sûr qu'il fallait un œuf pourri? Est-ce que j'ai eu ça? Non, bah non, en fait, j'étais pas sûr du tout. Je sais plus où j'ai lu ça. Oui, donc il y a un truc ici, là, c'est quoi? C'est quoi? Il y a une petite bouteille sur la table basse sur l'étiquette, elle porte l'inscription « Buvez-moi ». Ouais. Je vais sauvegarder. Hein, juste comme ça. Je vais essayer d'indiquer ce que j'ai là. Buvez. Oui, c'est pas très.
pas très recherché, mais bon. Et je vais juste supprimer vite fait les sauvegardes qui ne me servent à rien. Je vous retrouve tout de suite dès que j'ai fait. Voilà, c'est bon. Je vais boire, c'est ce qui est dans buvez-moi. Non, 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 non. Très mauvaise idée. Bois-moi! Bon, non, perso, je pense pas qu'il faille boire ce qu'il y a dedans. Juste par curiosité, si je veux boire quand même, vas-y. Quand même, ça c'est l'œuf pourri qui a l'air quand même pas mal. Je vais quand même boire ce qu'il y a dedans, juste pour lol, et ensuite je vais charger ma sauvegarde. Alexander décide de boire la potion contenue dans le flacon portant l'étiquette bois-moi pour voir ce qui va se passer. Oula, il fait un drôle de bruit. Tout à coup, il voit tout noir. Ses poumons deviennent trop pesants pour pouvoir respirer, son rythme cardiaque devient plus lent. Magnifique rythme cardiaque. Et s'arrête de battre.